Bonsoir. On va faire du jeu Serious aujourd'hui. Alors Johnny, je te rappelle, le premier indice, tu dois trouver la cordelette. La cordelette. Cherche la cordelette pour ta père. Où est la cordelette? Elle est où la ficelle? Hein? Oh putain, ça y est, je l'ai. Oui, c'est bien mon Johnny. C'est bien mon Johnny. C'est Eli Fox comme ça. Attends, je vais rapprocher le micro. Ashes Afterglow. Ouais, c'est ça. Ah, tu connais. Merde, des gens ils connaissent. Incroyable. Ouais, on s'entraîne à 2-3 FPS à papy. Pour la tondeuse dorée bientôt, dans 2 semaines. Enfin, dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Teasing complet du live. Avant de démarrer le jeu. Ouais, ça a l'air bon. Ok. Bah, n'hésitez pas à me dire s'il y a un souci. Après, je peux peut-être laisser mon retour sur mon téléphone. Ouais, donc je suis obligé de faire une capture écran de mon propre écran au lieu du jeu. C'est pas grave. Je vais chercher mon thé, j'arrive. J'en ai pour 2 secondes. Ah ben, c'est moi, regarde. Je l'avais déjà récup. Ok, voilà. Je viens de le récup. Nickel. Tu m'en es paru? De toute façon, on fait un petit... C'est une petite vidéo pour Emo, finalement. Pour lui montrer ce que c'est le skill en FPS. Pour lui montrer c'est quoi le skill. En mourant au tuto, bien sûr. Ouais, donc on est en ultra violence, donc les ennemis, je pense qu'ils vont pas rigoler. Ah, il y a des dommages localisés apparemment. J'ai plus de mal tout à l'heure. Hein, fais gaffe quand même. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Ah oui, il enlève sa lampe pour mettre un coup de couteau. Des Jinx, ok. Donc il doit y avoir un marchand après dans le jeu, je suppose. Je vais changer mes Jinx contre autre chose. Ah, par contre, j'ai pris cher, putain. J'ai fait passer un quand même. C'est violent. Hein. Ah! Attends, on a un first kit. Comment j'utilise ça? Oh, mais le mode difficile est vraiment dur, hein! Il est plus dur que Final Doom, là! Alors, comment j'utilise ça, moi? Ouais, c'est un truc. 25, c'est tout? Ok, moi ça pue. Des pipe bombes. End of the world, sale. C'est la fin du monde, est-ce qu'on vend? J'aime bien la guerre. Et voilà, on n'a plus de vente. Des idées. Un couteau pistolet. Un shotgun H.
Quelque chose avec des roues. Ah. Ils ont construit quelque chose avec des roues. Petite affiche de Doom, ça c'est cool ça. Il y a quand même du respect par rapport à l'original. Ah oui, c'est ça, la paille bombe. Waouh. Ah ouais, si j'ai pas de balles, on est dans la merde quoi. Pour désamorcer les pièges. Ah, et du coup, il y a une moto. Est-ce que j'avais vu dans les extraits du jeu? Attends, on va voir, il y a peut-être un. Merde. Comme ça. Et bruitage à feu, t'as vu, c'est sympa, hein? C'est pas. Helsinger, tu veux dire? Tu dis Hellmetal? Je pense que tu parles d'Helsinger. Ah, c'est encore mieux qu'Helsinger. Attends, faut que je mette l'électricité? C'est quoi ces conneries? Je suis pas ingénieur. Ah, il y a des effets en fait de lumière. Salut Reddy, comment ça va? Salut Kazé. Hop. Ah, j'espère que je vais pas me péter la gueule parce qu'apparemment la moto elle est difficile à conduire. Wouah, j'ai déjà pris le rebord. Wow, 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 wow. Non, non, non. Attendez. On va essayer d'être à peu près droit qu'on va prendre la pente là parce que... On a Harley Davidson là. Ouais, je l'ai update, ouais. Le VTuber de l'enfer, ouais. Je l'ai update. Ouais, c'était cool. J'ai préféré Night Security. C'est quand même mon préféré. Sur les trois qu'on avait fait. Qui est plus horrifique, on va dire. Plus fantastique horreur. Let's go. Et bim. Allez, on peut écraser. On peut écraser les ennemis. Comment je descends? Apparemment, c'est sauté. C'est combien le prix du gasoil? C'est quoi? C'est 865 $? Les 10 litres? Ouais, le plot twist. C'est vrai que le plot twist, il est un petit peu énervé. En mode, eh ben tout le monde était complice. Tu fais quoi? Enfin, pratiquement tout le monde, parce que finalement, tu sais, tu peux plus ou moins douter de ta meilleure amie, mais... Mais genre, bon, je spoil rien, je spoil rien pour ceux qui l'ont pas vu sur mon YouTube. Mais j'ai uploadé la vidéo de Parasocial de Chill Arts. Audio fire turn as a good place. Ok, d'accord. Ça c'est considéré comme une... Ok, il y a des humains. Est-ce que je les vois là-haut? Ah, vous savez, je suis con, hein, donc... je vais vouloir leur tirer dessus pour voir ce qui se passe. S'ils savent se défendre. Ah, est-ce que vous avez des réflexes? Ah putain, alors je sais pas, le... Ah, non, c'est le menu. Ok, non, c'est bon, je peux faire ça. J'étais dans le menu, j'ai des problèmes dans le menu, mais maintenant ça va. Ouais, ils apprécient pas trop. Ils apprécient pas trop qu'on leur tire dessus. Les junk. Y'a un mec qui joue tout seul aux échecs.
Boubou dame. Qu'est-ce que tu fais le chat là? Putain, mon chat il fout la merde derrière. Ça va les mecs? Ah, ils sont toujours énervés. Allez, venez, je vous chope. Bon, ils ont l'air de résister à mon 6 coups, donc c'est pas ouf. Bonjour madame. C'est parti, premier niveau en ultra violence. Alors attention, ça va décoiffer. Hein. Faut pas cligner des yeux. Je vais sauter ça avec ça. Ok, c'est mauvais derrière. Direct les voyous. Attends, il y a un chien. C'est quoi ce bruit? Oh, ils sont énervés. C'est un piège ça? C'est quoi? Non, c'est juste un... C'est un fait. C'est juste un transpalette. C'est un peu les nymphes, eux. Merde. C'est parti. Ok, ne pas avoir de munitions, c'est mortel. Ok, j'en ai le début du jeu, peut-être que je peux revenir. Mais ça, c'est des munitions, on est d'accord? Il a peur de vouloir remplir son flingue avec. Non, c'est des cartons en fait. C'est des cartons nuls. En tout cas, au moins, il y en a qui sont morts. Derrière la poubelle. Merde, ils l'ont pété. Ça va être compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup de munitions dans le jeu. En fait, les chiens, faut que je les batte à coups de couteau, je suppose. Ah, ils battent entre eux. Il s'est pris une boulette de chien dans le dos. Oh putain, c'est chaud. Bon. Faire sortir les doigts du cul. Ah putain, non, c'est trop chaud, je suis trop long. Faudrait que je tire et que je mette un coup de couteau, et après je me débrouille. Surtout je fasse des headshots. Ouais. Putain, dès que je rate, c'est la merde. 28 PV, ça va, tranquille. Ah, j'ai raté. Je vous entends, puis bande de petits bâtards là. Sortez là.
Putain, j'en ai avoir besoin de l'armure. Montrer sa frimousse là. Attends, faut aller de l'autre côté. Ah, j'ai bouffé de la nourriture, ok. Un petit sneakers. En gros, les ennemis font plus de dégâts. Moi aussi. En gros, c'est le premier qui vise bien qui a gagné. Oh, j'ai tiré. Non, il vise trop bien, il vise pas dans mon armure. C'est qu'on n'est qu'à la première map, ça craint. Elle pète les bouteilles ou pas? Oui, il a mieux visé, oui. Oui, il a un aimbot. Il vise mieux, c'est sûr. C'est à moi de bien planquer. Encore ça va. Des fois, ils ratent leur tir. Te faire. Ah oh, putain. Le cac c'est dead en fait. En ultra violence c'est dead le cac. Ou sur les bons ennemis, je sais pas. Oh la vache. Faut que j'arrive en fait à détruire les bonbonnes au bon moment. Putain, ça va être chiant là. Voilà. Ah, y'a un mec qui a brûlé à la blood. Voilà. On est bien. On a réussi à avancer de 5 mètres. Et où la musique, elle est cool. Je sais pas si on peut grimper. Non, mais parce que c'est trop là. Putain, ça me perturbe les cartons ouverts comme si c'était des packs de munitions. En fait c'est du décor. Pas mal le design du flingue. J'ai vu qu'il était vide le chargeur. Oh, du shotgun. Oh, j'ai le shotgun. Voilà. Là, on discute. C'est des grouilles de scanner, ouais. Allez, plaisante pas. Hein. The blue key. Il faut de la blue key. Bah. C'est pas prêt le premier coup. What the fuck? Alors si je tire sur les cibles, est-ce que j'ai des bonus? C'est la question. Je
Que dalle. Je peux recharger. Oh, les mecs au fusil. Je les ai identifiés. Ça manque de quoi, Monsieur Izumi, spécialiste en FPS. Je sens qu'il est énervé de ne pas participer à la tondeuse. Il a besoin de parler. La ville, tu roules. En même temps, à ta place, moi, je serais énervé aussi. Ah, on peut pousser les objets. Mais casser aussi, d'ailleurs. Les Wild Nail. Ah, oui. Ouais, les antagonistes qui disent tout le temps la même phrase. Ça peut être vite chiant, ouais. C'est pas un faux mur, ça, regardez. Il est suspect, ce mur. Comment on pourrait l'ouvrir? Moi, qui me faisait un plaisir de battre Izumi sur un beat'em up. Oh putain, il m'en a placé une. Et une petite musique un peu à la Carpenter, en mode. En mode synthé. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Max, il est malade. Plissken, il est malade, bah voilà. Snake Plissken. New York. Je sais plus si c'est New York 97. Ouais, c'est New York 97. Getting the fuck out of Dodge. You are all fired. Ok. C'est pas très bien passé cette compagnie apparemment. Il y avait rien chez le boss. En fait, ça c'est juste un. Je pensais que c'était un secret, mais c'est juste une ombre portée en fait. Donc j'ai la clé bleue. Il y a un truc au milieu. This old radio's got to be worth something. Now I just need to find my ride. Ok, donc il a récupéré une radio. Il faut que je récupère sa moto. Après, c'est vrai que dans Doom, par exemple, les bruits de chaque ennemi sont vraiment très simples pour que tu puisses les identifier. Je suis pas étonné qu'ils aient gardé ce principe-là. Alors du coup, ça marche mieux, c'est vrai, que des monstres. Parce que du coup, ils ont rien à dire. Donc c'est plus simple. Enfin, ils ont juste à gueuler, quoi. J'ai vu. Oula, c'est quoi cette cascade des enfers là? Qui veut me faire faire le jeu là? T'as avec la vitesse de jeu là? Dès que tu fais une direction, tu pars en cacahuète là? Ah, c'était peut-être en face. Ça m'a l'air pas mal par là. Oh. Allez, vous avez calmé. Ah, là ça manque de grenades. J'ai besoin d'une petite grenade là. Pour les calmer là. Ah voilà. Voilà ma grenade. Je
fait ouvrir les volets. Ah, ça fait marcher l'industrie, okay, d'accord. Ça fait marcher le la fabrique de... Oh, de munitions. Fabriquer des munitions. Une mission pour mon 45. C'est tout? Allez, plus de munitions. Moi, je suis chaud, moi. Comment il a giclé? Excellent. Ok, donc là on revient au début. Il y a un entrepôt. Là on peut sortir, mais... Je voudrais bien choper l'endroit en hauteur où il était là. Voilà. C'est un endroit secret, mais pas si secret. Wars is not excuse for being late. I'm glad you're dead. Ok. Meilleur patron de l'année. Voilà. J'aime trop le... Je suis content que vous soyez mort. Ok. Ouais, où sa moto? Elle là. Let's go. The Boneyard. With my prize secured, I made my escape. Another worthless trinket in hand. Yet another void. Myself to get myself out as this business for good. It won't be difficult to get this old radio working. Ah oui, on a récupéré une radio, en effet. Donc on va pouvoir peut-être communiquer quoi. I know a trader who might be willing to do it for me. Maybe even pay to take it off my hands. Oui, bah si, il va payer. Hey, tu rigoles ou quoi? On va échanger de l'argent. Mais alors après, je sais pas si, vu qu'il y a eu une guerre, c'est beaucoup l'argent. Ah! What was all that about? On a entendu un message sur notre radio. Alors qu'on dormait. Ok, donc là on est plus sur une map avec des grandes distances. Je sais pas ce que c'est que le truc là. Ok, il faut qu'on avance la moto, je suppose. C'est non plus la moto. Il n'y a pas de dégâts de hauteur apparemment. Ça c'est cool. Parce que c'est logique. Hein. Un genre de jeu. Quoique de Knacken, il y avait des dégâts de hauteur. Hein. Ce qui est abusé d'ailleurs pour ce genre de jeu. Parce que très vite tu peux t'éclater comme une merde.
toute façon on peut pas aller plus loin. Avec la mouton. Ah, un côté un petit peu horrifique là. Attendez ici que les secours arrivent, c'est ça? Je crois qu'ils ont attendu longtemps. Trois balles, trois morts. Pas mal. Ah, c'est un motel. Excellent. C'est un motel. Pas de, d'animaux, pas de fluides, pas de, de feu. Autorisé. Ok. C'est quoi des fluides? Bizarre ça. Ça prend plus son temps ici. Xena. La guerrière. On la reconnaît là? Je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est un alien qui fait de la guitare électrique. Ah, c'est peut-être Xeno pour Xenomorph. Peut-être plutôt. Ce serait plus logique. C'est un concept. Il y a un truc dans la véno. Cadavre. Ouais, c'est plutôt Xeno, ouais. Tout à fait. Allez, de bouger. J'ai l'impression que leur boulette fait moins mal que si je me prenais un coup de griffe. Il est pas ouf l'accueil de ce motel, hein. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre au patron là. Je vais me plaindre à l'accueil. Ah, il y a un truc là-bas au milieu. Dans la piscine. Mais je sais pas ce que c'est que ces petits trucs là. C'est des junks, je pense. Vous rentrez dans le territoire des Reds. Ok. Bah t'inquiète. Ils vont être encore plus rouges que d'habitude. Avec une balle entre les deux yeux, là. Faut que je passe à travers le mur. Je vais parler du début. Ok. On peut peut-être aller en face, mais j'ai pas essayé. Genre, faudrait faire une cascade sur les grilles. Je sais pas si c'est faisable. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse monter sur les grilles. Qu'on les voit pas.
Je réessaye, hein, mais bon, je suis pas forcément convaincu. Ouais. Ah, peut-être en montant sur le camion et en essayant d'aller là. Platformer. Du coup là j'arrive de l'autre côté. Ok. Merde. Ah putain. Je me fais avoir. En fait le personnage il est un peu comme Blood en fait. Il est trop. Il est trop énervé quand il marche. Donc, pour viser des fois c'est chiant. Du coup je peux aller à l'extérieur hein, directement. Quoi? Ah merde, je peux pas. Si? Oh, 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 oh. Non, c'est ça. Bon, bah, y'a rien là derrière. Je vais aller par derrière. Bonjour. Ah, c'est un secret. Ok. Let's go the secret. Oh, pas mal. Let's go. J'ai l'impression qu'il y a la valeur qui est à côté de mes munitions avec des petites barres vertes là. Je me demande si c'est pas la lumière, mais je suis pas sûr. Ok, bon là faut vraiment que je monte maintenant. Pour traverser le motel. Ok. Petite save là parce que les petits corps tendus là, dépecés là, en mode Predator là. J'ai dit à l'avantage, c'est qu'ils sont obligés de venir au corps à corps, mais ils m'ont quand même défoncé. Elle est mourue quand même! Oh! Attends, mais ils sont ultra résistants! C'est pas vrai. J'ai mis des bombes partout. Do not serve. Ok, do not serve. Vous débrouillez. Je suis pas là pour servir. Faire de la cuisine n'est pas un hobby. C'est un skill de survie. Oui, oui. Quelque part, oui. T'es mort. C'est là où t'as besoin de... Oh la vache, on peut mourir tellement vite. Si on se fait coincer des deux côtés. C'est pas normal qu'il résiste. C'est super zombie le bordel. On est super mutant. T'as pas fouillé les camions? Le BFB, c'est le KFC ou le Burger King, comme vous souhaitez. Attends, je peux pas l'avoir là de ce côté. Oh, mais c'est abusé. Le nombre de munitions qu'il faut. Bah, tiens, prends ma balle dans ta gueule, tu vois. Ça te calmer. Ouais.
l'a vu là. Je suis tout dépensé sur eux, c'est abusé. Les tomates tueuses. C'est les... comment ils s'appellent? Les cacodémons là. La version, version tomate. Ah oui, c'est ça. C'est la lampe que je dépense. C'est quoi cette musique? Attends, c'est quoi que j'ai chopé? J'ai chopé la... C'est qu'on appelle ça, là? Le film d'horreur de merde. Quel film d'horreur? Comment ça s'appelle, ça, les... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire une pelleteuse, mais c'est pas une pelleteuse. Les tomates tueuses, ah oui. Est-ce que c'est considéré comme un film d'horreur? Y a pas genre un George Clooney jeune dans un des épisodes des tomates tueuses? Un truc comme ça. Ah, je crois qu'il y a la tête de quelqu'un qui est en train d'être cuisiné. Tout va bien. On peut pas goûter. Hey, y'a le drive. Bonjour, je peux prendre d'autres commandes? C'est nul. Ah, les armes nulles à Yesh. Bah, je l'ai eu la clé là. Voilà. Putain, mais même là les flingues, ça va super vite. Ok. Bon, les gars, c'est bien amusé avant de mourir ici. Jank, let's go. Oula, ils se tapent dessus. Les mutants, ils doivent pas aimer les bandits. Les racailles. Ah, tu dégages. Ils résistent trop aux armes à feu. Ça pue. Merde. Ah, j'ai plus de munitions de... Merde! Ça pue! Ouais, c'est pas beaucoup de munitions, hein. Ouais, ça finit en plus.
Ah, c'est pas mal le curseur, j'ai l'impression qu'il me montre. La visée me montre que je suis dans le rouge en fait. J'ai l'impression. Je peux me tromper. On va le casser, non ? Tiens, ça pue, on brique pas les balles 3 par 3 là. Attends, mais je suis de l'autre côté. Pourquoi il s'excite derrière là ? Personne. Ouais. Mais d'où il vient le mec? Merde. Tiens, je vais m'enfuir quoi, en courant quoi. C'est pas tranquille quoi. Il vient de là. Ce qui m'embête, c'est que je sens que je vais ouvrir la porte et je vais me faire saucer. C'est qui m'embête. Ça c'était sûr. Par contre, si je fonce sur eux, il y a moyen qu'ils s'entretuent avec les autres. Non ? Bon, ils aiment pas les mutants, non ? Oh putain. Fais me faire éclater le fiac. Salut. Oh, t'es sérieux? Je vais pouvoir les avoir, mais... Oh, t'es sérieux? Putain. J'essaie de les éviter pour garder des munitions, mais ça me réussit pas. Ils sont trop mal au cac en fait. Bon bah on va les descendre hein, mais ça me fait chier. Comment ça il est pas mort? Ça, je te dérange pas. Ah, c'est peut-être un marchand. Il a pas l'air très agressif. Il y a un autre skin surtout. Ah non, si c'est bien l'ennemi. Ouais. C'est pas un marchand. Je suis deg. On a dit qu'on m'a mis des trucs à bouffer sur le chemin, hein. Faut que j'aille au bout du chemin. Meilleur jeu, on peut casser les shots. Ah. Fuck with the booze. I fuck with your face, ok. Qui c'est que ça? Un petit peu violent.
Faut le mettre à fond. Ah, c'est explosé le... Oh putain, non! J'ai vu le truc fumer, je me suis dit, c'est bizarre. Fallait s'éloigner. Ah ouais. On a à peine fait surchauffer le moteur, quoi. Vache. Petite save. Combat final, non? J'arrive près de l'espèce de station radio, là. J'ai l'impression. Je rappelle qu'on est venu ici parce qu'on a entendu un signal, hein. Un signal radio. C'est pas l'air ouf cet endroit. Hein. Oh, t'es sérieux? Attends, il m'a craché au visage et il est reparti. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah! Comment on pourrait grimper? Pas par là, apparemment. Ok, il y a un petit peu de level design. Bon, t'es sérieux? J'avais le fusil sur sa tempe. Putain. Genre, ça l'a pas touché. Je suis bien récupéré, va hésiter, mec. Bon, on a pas trop le choix. Ah, pas vrai. Faut ramener la moto, non? Même pas. On va la ramener jusqu'ici. Ouais, donc c'est ça la station radio là. On a peut-être juste entendu un mutant faire. Et du coup, on y va comme des idiots. Bim! Quand même deux headshots hein, pour les calmer apparemment. Ah oh, putain, tout à côté. Tout est bien. Ah oh, putain. Chaud patate. Hein. Ah oui, j'avais un... Je peux utiliser la radio? Non, je peux pas utiliser la radio comme objet principal. Je suis en train de chercher aussi. Il monte ta tête là? Monte ta frimousse. J'ai plus de balles. Ah ouais, non, mais là ça pue. Non, mais là ça pue de ouf. Ça va pas le faire cette histoire là.
Hein? C'est la merde. Donnez-moi des munitions. One, two, two, one. Four. One, two, two, one. Ok. Ils ont gardé des couleurs des clés de Doom, ça me fait rigoler. Non, 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 j'ai pas de munition, putain. Bonne de bâtard. Wow, y'a un gros. Attends, c'est sérieux, y'a un boss là? Alors que j'ai pas de munition. Sérieux là? Vous êtes des ouf? C'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai ouvert. Oula, c'est explosé. Ah, c'est pour s'enfuir. Ah, la fuite! Ah putain. Alors, je sais pas si on aurait eu un objet spécial en tuant le boss. The Wall. Apparemment, j'ai eu de la chance cette fois. J'ai trouvé assez de gasoil pour faire les derniers miles qui me restaient. Et donc, il a réussi à rentrer à la maison, si on veut. Une place, enfin un endroit appelé le mur. Une vieille centrale électrique. Ah, donc du coup, il a pu échanger, on peut échanger ici. Ah, donc il y a un passage où on est en ville. Et... Ok. Le gaz, c'est bon. Il nous manque le cola et il nous manque le payer payer le loyer, c'est ça? Rent. Bon, on est bien là, on est bien installé. Là. Bonjour. Ah, carrément, il y a des dialogues. Il y a plusieurs dialogues. Oula, il y a des coups de feu là. Est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qui se passe en ce moment en ville? Les hommes de Barrett ont bougé dans la centrale. Ils ont peut-être essayé de recharger, de relancer l'électricité encore une fois. N'essaye pas de les approcher. Ils te. Sinon, ils te pèteront la gueule, quoi. Pourquoi vous n'essayez pas de les arrêter? Nous? Et avec quelle armée? C'est un boulot pour la garde nationale. Bon, en même temps, je suis pas sûr que la garde nationale existe encore. On attend juste que Barrett. Soit portés disparus et on pourra les attaquer.
La garde nationale? Ouais, celle qui était en réserve. Mais de toute façon, enfin, ce qu'il en reste deux. Les derniers, la dernière unité locale est allée dans la city, dans la ville de Haut, il y a 3 ans, et on n'a jamais entendu parler d'eux depuis. Super. D'accord, donc au début, ouais, quand il parle de Barrett, au début c'était un général qui avait 2 douzaines de soldats et il les a bien aidés à garder la paix, mais maintenant ils savent pas trop ce qu'ils font quoi. Tu as pas dit pourquoi ils sont partis? C'est peut-être parce que j'en ai aucune idée. Dernière chose que le général a dit, c'est que il a entendu parler d'un grand besoin ou de quelque chose comme ça. Je pense qu'ils ont juste déserté. Bonjour, Snake Piskin. Kurt. Qu'est-ce que tu as? De l'alcool et de l'eau, c'est 20. De la nourriture, c'est 50. C'est à la saison sèche, donc les prix ont augmenté. Ok, bah je vais voir le spécial. Voilà, c'est du filet de d'écureuil sur son lit de riz. Super. Hey, il a mis quand même des petites baies et tout. Et un de ces trucs verts là. Ok. Truc vert, tu veux dire un cornichon? Oui, bien sûr. La poteau de Kurt est plutôt sexy. Ok. C'est dommage que tu ne l'as pas vue. Enfin, qu'on ne la voit pas souvent ici. Ok. Gaz, gun, ammo. Ah, intéressant. Attends, parce que par contre j'ai plus de fric. Quand même. Est-ce que t'as des trucs à me ramener? Ouais. J'ai cette vieille radio. Ah, pas mal. Ah, il connaît bien. J'ai juste besoin de nouvelles batteries. Et j'en ai plein. Alors, vas-y. J'ai entendu la voix d'une... J'ai entendu une voix d'une femme. Je te dis que je l'ai entendu. Ah, il allume la radio en même temps que les statiques. Vraiment? Ouais, c'est bizarre, je n'entends rien. Je sais ce que j'ai entendu, je te mens pas. Ah, tu sais, Barrett a quitté la ville en urgence la nuit dernière. J'ai entendu ça en ville. Et il est allé à le seul endroit où on pourrait envoyer ce genre de signal, près d'ici. Peut-être qu'il l'a entendu aussi. Je fais de la radio pour 100 balles. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Ok, donc apparemment, il nous envoie dans une mission pour aller tabasser un gang, apparemment. Mission Circle. Faut que j'aille demander au barman. T'as du boulot.
Tu as déjà vu Smiley? Ok, good. On a quelque chose avec lequel tu pourrais nous aider. Mais ça va être un petit peu violent. Ça t'intéresse? Qu'est-ce que c'est, des mutants? Non. Quelque chose, plutôt un problème domestique. Je pourrais peut-être te mettre en contact avec ma pote Fortune. Alors, tu rentres dans le jeu? Ok, bah vas-y. C'est quoi, il faut faire le ménage à la maison? Non, faut faire du nettoyage en gros. Ok, combien tu me payes? 100 balles. Alors, en drink en plus, super. Enfin, apparemment, de toute façon, on ne fait que du troc. Avec des drinks. Alors, où est Fortune? Tiens, ça débloque. Alors, le bookshelf. Ah, c'est en gros des étagères de livres. Ok. Et Malik, c'est à côté? C'est ça. Ok. Where is Fortune? C'est elle? Elle a un machine pistol. Ah bah je veux ça moi. C'est toi le nouveau? Le nouveau? Ça fait des semaines que je suis là. Tu es l'ami de Kurt? Oui. Alors t'es prêt à faire un petit peu de nettoyage? Kurt m'a dit que je serais payé. Ouais, c'est 100$ en scrap, c'est ça? Juste nous deux pour le boulot? Ok. Elle a l'air d'être... comment dire ça? Perdue dans ses pensées. Quelque chose ne va pas? Je réfléchis, c'est juste. Comment faire que tout ça soit un peu plus intéressant? Alors, a Wager, c'est quoi Wager? C'est un moyen de transport? Attends, je regarde en même temps. Un pari, plutôt. Faire un pari. Ouais, c'est ça, c'est un pari. Ah, Kalein! Pro en anglais? Ou t'as regardé sur Google Trad en même temps? Tu fais des paris en ligne? Comment ça va, Kalein? L'homme de l'ombre. Alors, Dame Release, Valfers. Alors, attends. Elle veut qu'on fasse une course pour le premier qui arrive à atteindre. Alors, attends. The Dame. Je l'ai vu tout à l'heure. Atteindre le barrage. Ah oui, c'est vrai que c'est le barrage. Bon, c'est un terme quand même qu'on utilise rarement dans le quotidien. Le premier qui arrive au bout du barrage et qui relâche la valve et récupère ma part de paiement. Ok, super. Et si je gagne? Je te donnerai mon flingue favori, mon shotgun. Ok. Ah, c'est peut-être un double, en plus un double tir, un double shotgun. Double canon. Vas-y, deal. Tu vas voir c'est qui le champion. Ah bah, yo quoi. Ça a changé donc 64. Ouais.
les raiders du barrage. Ah, du coup, elle aussi est de son côté. Regardez, c'est moi. Et oui, il y a des fenêtres dans le... Enfin, il y a des reflets dans le jeu. Merde, c'est blindé. Quoi? Comment ça, vous me touchez? C'est quoi cette merde? Je me prends les étincelles ou quoi? Est-ce qu'il y a un mec au chiotte? Oui. C'est une... comment on appelle ça? Une poupée, quoi. Si tu gagnes contre elle, t'as mon sub. Ah! Tu sais que je peux recharger à l'infini. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah! Je crois qu'on a balancé l'électricité alors qu'il est les pieds dans l'eau. Ils ont pas aimé. Ah, il y avait un... Je fasse gaffe là parce qu'il y a des trucs à exploser pour gagner et garder des munitions. Et si tu veux, on t'empêche de recharger. Si tu empêches de recharger, c'est tendu. Mais on va dire qu'on accepte le résultat à la fin, quoi. Mais je risque de me faire arnaquer, quoi. Ah putain, je vais tirer dedans là, j'ai pas vu. C'est un jeu... non, c'est sorti en 2021. Je mets dans la catégorie rétro parce que ça utilise le mode de Doom. Non, il n'existe pas ce jeu, c'est un mode. Après, finalement, en 2021, est-ce que c'est pas un peu rétro? Bronze, ok. Oh putain. Oh le bordel. On est vieux. Hey. Ah, tu commences à te faire vieux là, t'as combien maintenant 52, 53 ans, Kalen? C'est chaud là. J'ai plus de munitions déjà. Le jeu il est légèrement chaud en ultra violence. What, putain de merde. J'ai vu les chiens à rentrer là. Les chiens de l'enfer là rentrer, je sais pas d'où ils sont venus. Je me suis fait vanille. Ils viennent de nulle part, quoi.
en train de se battre. Merde, il est en train de se tuer, putain. Ah, putain, c'est quoi ça? Je sais pas si je vais faire mieux. Ah, vu le nombre d'ennemis, putain. Ah, ça pue. Ah, il y a un truc là. Il y a un peu qu'on peut descendre en bas. On va déjà aller descendre. Je cache-cache entre les pieds. Oh la vache. Ils m'étonnent tous là-haut là. Putain. Ah, finalement c'était pas si mal 15 de vie. Ah mais j'ai un soin. Parce que comme il colle la barrière là. Il est un peu trop vénère, ouais. Tout va bien. Je gère. Surtout qu'il donne pas beaucoup de munitions, c'est ça qui est chaud. Ah, on fait le tour par là. On peut pas aller chercher leur plein. Hein. On peut pas enlever l'électricité surtout. Ah ouais, c'est chaud. 12 balles de flingue et 2 balles de fusil à pompe. Est-ce qu'on est capable? On va voir ça tout de suite. Faut que je leur fonce dessus en plus. Comme ça là. Ouah, pas dans le dos. C'est exactement ça, mais en essayant d'aller plus vite. Hop. Merde, putain, mais prends le flingue. Ah, oh, putain. Prends ton putain de flingue. Ça va trop vite, en fait. Changement d'arme. Mais tire. Tire. Putain, le temps que tu mettes les cartouches, putain. Arrêtez de faire des jeux réalistes. Mettez-moi les cartouches, quoi. Putain. Allez, 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 allez. C'est sérieux, ils sont durs. Je me sens un peu oppressé.
compliqué. Hein. Parce qu'il faut que j'arrive à les tuer en prenant leurs munitions et en rechargeant après. Ah, c'est qu'une balle de fusil à pompe à chaque fois, la vache. Bah mais si mon coup de couteau il one shot pas, on est mal barré hein. Putain ça pue. Je sais même pas si c'est faisable ce sage. Très bien. Je gère. Ah, faut que je me casse, Allez. Wow, on arrive à un droit à l'électricité. Je suis tellement dead. C'est arrêté? M'a envoyé un clip. Putain, je peux pas le regarder, mais je te fais confiance que c'est que tu as pris mon meilleur profil dans ce clip. Ok, j'ai hacké. J'ai une clé mais je sais même pas où faut la mettre. Bon, j'ai bien une idée mais... tu vas voir, Fortune Inferno, ouais, j'ai fini. Tranquille. J'ai rencontré aucun ennemi. Et toi? Ces conneries. Là. Je sais même pas si j'ai assez. Pas un endroit où ça fait des munitions là, que je puisse récupérer des munitions. Ça pue. Let's go. Je sais pas ce que j'ai activé en fait. Si c'est pour enlever l'eau ou... Bon, on a la clé bleue. Incroyable. Je sais pas comment on avance, mais on avance. Ok, j'ai 5 balles dans le flingue. Pip.
Je suis paumé. Ça s'en fout par là. Ça aussi. Je vais devoir affronter le monstre dégueulasse dans le couloir. Ah. Ah bah j'ai pas eu ça. Il va le faire 500. Est-ce que je vais me faire vanner par fortune? Catch. Yakut One, Free Power Refuge Center. Ah, ça a changé. Putain, c'est un refuge de bandits. Hop, 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 hop. Calmez-vous bien. Bon, bah, j'ai libéré les vannes. Non. Alors. Excellent. Tu as survécu. Bon, je l'admets. Je sais pas si tu aurais réussi. Apparemment, j'avais gagné. Je suis surprise. Ok, donc s'en occupe aussi. Tu me dois un shotgun. Bon, bah voilà, on a gagné par défaut. J'attends le sub de Kalein. Voilà, on continue pas le jeu tant qu'il n'y a pas le sub de Kalein. Attends, je vais brancher mon chargeur là. Hop. Une masterclass. Ça fait bizarre avec la musique. Ok, ok, un pari est un pari. Merci donc pour le sub, tu fais partie aussi des spécialistes de Viet Vodau. Et ouais, Grand Master de Viet Vodau maintenant, monsieur Kalein. Qu'est-ce qui va arriver ici? Apparemment, il y aurait une armée au-delà des collines à l'ouest. J'ai perdu contact avec eux. Last contact. Et putain. Mais d'où tu viens, Fortune? Alors, en gros, elle était dans un gang et ils l'ont laissée pour morte parce qu'elle a eu un accident. Et elle a réussi à survivre jusqu'ici, jusqu'à la ville. Et maintenant elle travaille pour elle-même. Mais apparemment, la ville n'envoie pas les bénéfices de son boulot. J'ai mon petit Dark Frost, exactement. Bah t'en as pas une mission un peu... Ça fait un peu mission secondaire, mais ok. C'est la suite de l'histoire. Voilà, on a repris le barrage.